l'école numérique Machindano. Nous avons maintenant français vocabulaire. Très bien les amis, si vous vous souvenez hier, hier en français vocabulaire, nous avions étudié le pièce de la maison. Nous allons continuer avec notre sujet qui se parle, le pièce de la maison. Répétez là-bas les pièces. Le pièce de la maison. Le pièce de la maison. Très bien, les amis. Quelles sont les pièces de la maison que nous avions citées hier, mes chers amis? Les pièces de la maison que nous avions citées hier, nous avions dit qu'il y a, je vais nommer ça par A. Il y a la cuisine. À part la cuisine, il y a le salon. Augmentez les amis. À part le salon, il y a la salle de bain. Je vais noter ça comme C. La salle de bain. À part la salle de bain, les amis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi la chambre. La chambre. Très bien, les amis. Ici, je vais mettre un. Vous allez essayer d'associer. Ou nous allons essayer d'associer. Un, je mets c'est laver. Deux, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre dormir. Dormir. Trois, qu'est-ce que je vais mettre? Trois, je vais mettre lire et regarder la télé. Et regarder la télé. Et quatre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre préparer les repas. Préparer les repas. Qu'est-ce que mon ami, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire correspondre une pièce de la maison avec l'activité qui s'y déroule. Nous avons la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine, les amis? Dans la cuisine, on prépare la nourriture. Et là, j'ai combien? J'ai A4. Nous avons le salon. Qu'est-ce qu'on fait au salon? Au salon, on lit et on regarde là-bas la télévision. Et là, j'ai combien? J'ai B3. Je suis assez. La salle de bain. Qu'est-ce qu'on fait dans la salle de bain, les amis? Hier, je signalais ça. Dans la salle de bain, on fait quoi? On se lave là-bas. Et là, j'ai C combien? C1. Qu'est-ce qu'on fait dans la chambre, les amis? On dort dans la chambre. Donc, l'activité qui se fait dans la chambre, les gens dorment dans la chambre. Et en fait, nous avons DD. Je pense que les amis, nous venons de faire un simple exercice. La question que je vous ai laissée hier, cette même question intervient. Personne ne m'a pas fait le pièce qui sont dans leur propre maison. Mais à part ça, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me dessiner, ça fait le deuxième exercice. Vous allez me dessiner la maison, le plan de la maison, et vous allez y mettre là-bas toutes les pièces de la maison que nous avions citées ensemble. Merci les amis de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.